Et salut à tous, c'est Tanaka, je suis très heureux de vous retrouver pour l'épisode 2 de mon Let's Play Fil Rouge sur Shadow of the Colossus, la version PS4 du jeu qui va sortir le 8 février. Donc, le Dormin nous a annoncé que nous devrions aller affronter un ennemi dans une grotte sous-marine. D'abord, premier détail qui est très important, il faut savoir où se trouve cette grotte marine. Alors, tu dégaines ton épée. Il est temps d'aller balancer les rayons pour savoir où ça se trouve. Donc ce n'est pas ici, ce n'est pas là, c'est par là-bas. Ok, il faut aller de l'autre côté donc. Cheval? Agro? Agro? Mon pâle froid de la nuit, où es-tu? Ah, mon pâle froid de la nuit, il est là. Ok. Donc, on y va. C'est parti. Je vais trouver un hôtel comme celui-ci. Posez-vous et vos blessures seront guéries. Ok. Imhotep, ça marche. Donc, est-ce que mes blessures ont été soignées depuis mon dernier combat? Je crois que pas. On va aller vérifier ça. On va aller vérifier. Prions devant. Non. On a dit... Prions devant. Ah d'accord. Il faut donc appuyer sur R2 avec l'arme rengainée. Bon, c'est pas des commandes hyper intuitives. Mais c'est pas grave, nous allons faire avec. Allez, mon fidèle pâle froid de la nuit. Donc cette fois, par où nous devons aller? D'accord. Ya, mon pâle froid, ya. Oh my god. Oh, joli saut. Faut passer par là? Non, par là-bas. Par là-bas. Agro. Ah oui, c'est vrai, faut que j'appuie sur triangle. Ça m'énerve, je ne... Pour moi, il devrait galoper automatiquement. J'appuie sur triangle, mais bon. Tu devrais savoir que... Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est par là. Go, go, my cheval. C'est magnifique. Y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment beau. Puis avec la plage en dessous, il y a les effets sonores. J'espère qu'au niveau des effets sonores, tout est ok pour vous. What? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui fait exploser la montagne? Ah, c'est la fameuse grotte sous-marine. D'accord. Bon bah, let's go. Allez, Agro. Je sais que les chevaux sont d'ordinaire prudents, mais je t'incite à aller vers le danger. Pour moi. Pour ma bien-aimée. Fais preuve d'abnégation, mon petit cheval de la nuit. Voilà, nous y sommes. Donc c'est ici, c'est bien ça? Mais où est le colosse? Où es-tu, mon fidèle colosse? Je veux juste t'emmener dans un zoo. Je dis ça pour essayer de l'attirer. Je suis pas sûr que ça fonctionne. C'est beau. Bah attends, mais je tourne pour rien en fait. Waouh! Ah, la caméra est partie dans la flotte. D'accord. Mais où est le colosse? Il est par là-bas? Ok. Vas-y, Agro. Traçons le chemin.
Quoi? Ah, il veut pas y aller. Oh my god! Mais quelle est donc cette créature? Oh my god! Alors. Donc je pense que là, je ne vais pas pouvoir l'affronter seul. Je vais essayer de prendre une photo. Si c'est possible. Comment qu'on fait? Je suis un peu trop près. Oh, il a une tête, le colosse. Déjà, il a les yeux bleus, ça veut dire qu'il va pas m'attaquer tout de suite. Comment qu'on prend la photo? Cheval, joueur, cheval. Non, joueur. Ok. Non. Filtre, poste fixe, profondeur champ. Oh mon dieu, on peut faire des postes FX et tout. Saturation, couleur, non, s'en fiche. Et comment qu'on prend la photo? D'accord, c'est comme ça qu'on fait. Ok, j'ai réussi. Agro. Agro. Bon, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce colosse? Comment je fais pour monter? Celui-là n'a pas de poils aux pattes. Attends, il y a un truc en dessous de ses jambes. Est-ce que je dois tirer dessus? Non, faut que je passe par derrière. Ok. Passons par derrière. Vas-y, aggro. Non mais aggro, tu vas où? Voilà, par là. Ah là, il est pas content. Il a les yeux rouges. Il s'est pris pour Pennywise, en fait. Il s'est pris pour Pennywise. Et en plus, il est comme Aldébaran du taureau, il lui manque une corne. D'accord. Je crois qu'il faut essayer de passer par derrière pour lui tirer dans les pattes. Aggro? Aggro? Non, aggro. Ah oui, il faut que je sente la caméra sur le colosse. Faut pas que j'oublie. Non, aggro, tu vas où? Aggro! Mais c'est pas par là qu'on va! Come on! Aggro! Aggro! Voilà. Aggro. Aggro. Ah voilà. Non, non, non. Oh purée. Je recommence. Froussard. Froussard, aggro. Mon fidèle pâle froid de la nuit. Tu lèves la patte? Voilà. Là, il est temps de monter. Voilà. Enfin. Je monte, je monte, je monte. Plateforme juste là. Ah, la superbe musique que j'ai souvent entendue dans les blind tests de mon pote. Mais non! C'est pas vrai! Pourquoi je ne l'ai pas accroché?
On recommence. Plus fort, plus loin, plus haut. On va essayer de monter plus haut. Je sais pas où sont ses points faibles encore, à part ses pattes. Ok. Alors, on charge. Peut-être que sur l'omoplate on peut voir. Ok. R1, où est son point faible? Cible verrouillée. Mais j'ai pas vu où elle était. Ah, elle est sur sa tête. D'accord. Colosse. My man. Ok. Premier coup terminé. Deuxième coup, porté. Ah, il a vraiment pas apprécié. Accroche-toi, mon petit. Contre, il va falloir que je reprenne mon équilibre. Vite. Je reprenne mon équilibre. Faut que je reprenne mon endurance plutôt, pas mon équilibre. Voilà. Ah, purée. Ok, ça il a pas kiffé du tout. Ah mince, son point faible a disparu. Ça veut dire qu'il en a un autre ailleurs. Où est-il? Cette musique est vraiment entraînante, j'adore. Non, on reprend l'épée. Où est son point faible? Il a un autre de l'autre côté, j'ai l'impression. Là, c'est bon. Où est son point faible? Ah, il est derrière, ok. Oh non! Accroche-toi! Oh purée. C'est pas passé loin. Grimpe. Grimpe. Désolé. Ça risque de faire mal. Surtout, penchez-vous. Serrez les dents. Et écartez bien les fesses. Il frétille pas du croupion. Ah, j'ai dit, on ne frétille pas du croupion. Le mammouth. Eh ben, il est décédé comme l'ancienne marque de supermarché. Bon, deuxième acte de braconnage terminé. Ok. Non, les fils noirs, vous me laissez tranquille. Non. Non, c'est pas agréable de se faire pénétrer comme ça. Game over. Et là, la deuxième Shadow du Colossus est apparue au-dessus de ma tête. Je sais pas ce qu'ils attendent, mais je suis pas sûr que ce soit très... Je
suis pas sûr que ce soit un chrétien ce qui se passe là. Malgré la musique d'orgue qui passe. Allez, réveille-toi. On a fait un huitième du jeu là pour le moment, mon petit. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Ah! Dans le prochain épisode! D'accord, donc il va falloir se la jouer, Jack et le haricot magique. Très bien! Eh bien, c'est sur ce joli trailer que je vais vous laisser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager. Parlez-en autour de vous. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau braconnage. Allez, au revoir les gens.